Salut l'équipe, c'est Gissan et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un J-News. C'est le deuxième de la semaine, sauf qu'on parlera rapidement du DLC 9, car depuis ma dernière vidéo, on a eu plein de petites infos qui sont sorties de partout. Déjà pour commencer, on a eu l'officialisation de Vegeta Blue Evolution à travers les scans du V-Jump, mais aussi via les réseaux sociaux de Bandai Namco. On a eu le droit à pas mal de petits screens in-game. Dans ma dernière vidéo, ce que je vous avais dit, c'était simplement une fuite, un leak, mais on n'avait pas encore les scans. Aujourd'hui, c'est complètement officiel. Vegeta Blue Evolution sera bel et bien dans le prochain DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. On a aussi appris que l'Ultra Pack 1 sera disponible seulement en juillet, alors qu'à la base, c'était censé sortir en juin. C'est un petit peu casse-couille, surtout qu'encore une fois, on n'a toujours pas de date précise. Bon, voilà, c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas non plus très grave. Pour l'instant, du coup, les seules infos officielles, hein, sûres à 100% qu'on a, ce sont simplement les trois noms des trois persos qui seront dans ce DLC. Je parle bien évidemment de Ribrian, Vegeta God et Vegeta Blue Evolution. Après, on a eu pas mal de sites qui ont relayé certaines rumeurs, du genre qu'on pourrait avoir Broly Hikari en quatrième perso. Je suis pas contre, mais ça reste pour moi une rumeur pour l'instant. Ou même aussi qu'on pourrait avoir la même transformation que Vegeta Blue Evolution, sauf qu'elle serait pour nos avatars. D'après ce que j'ai pu comprendre, il faudrait avoir débloqué le SSJ Blue et avoir le rang d'amitié au maximum avec Vegeta en maître. Donc voilà, pour ces deux infos, je préfère prendre de grosses pincettes pour l'instant. Voilà, je préfère différencier les rumeurs des infos officielles pour ne pas vous hyper pour rien. Surtout qu'on sait très bien que les rumeurs, les fausses rumeurs, il y en a eu énormément sur ce jeu. Donc voilà, pour les petites infos que j'avais eu à vous sortir. Moi personnellement, pour le côté Broly Ikari, c'est pas mal, mais pas non plus un truc que je voudrais. Je préférerais largement quand même avoir Topo, parce que voilà, s'il nous rajoute Vegeta Blue Evolution, autant nous rajouter tout simplement Topo, parce que c'est son adversaire dans le tournoi du pouvoir, et pourquoi pas d'autres persos. Donc, de toute façon, vous savez déjà mon avis par rapport à ce DLC 9 et mes attentes, hein. Vous avez une vidéo qui récapitule tout ça que j'ai sorti à un moment. Du coup, voilà, j'ai vu aussi que les joueurs ayant changé leur serveur entre le 20 mars et le 20 avril devrait recevoir 500 médailles pétées en compensation de des désagréments qu'il y a pu avoir à ce moment-là. Donc voilà, moi de mon côté, j'ai jamais eu de désagréments par rapport au changement de serveur, etc. Mais voilà, pour ceux qui en ont eu, vous aurez 500 médailles pétées et c'est pas plus mal. Parce que justement, en parlant des pétées, dans la boutique pétée, on a eu 15 nouvelles super âmes encore une fois. Donc en tout, ça nous fait 30 nouvelles super âmes qui ont été ajoutées en très très peu de temps. Honnêtement, je sais pas encore comment je vais faire pour vous les présenter en vidéo. Peut-être que je ferai une présentation en plusieurs vidéos, parce que voilà, si je dois vous montrer 30 nouvelles super âmes dans une seule et même vidéo, je pourrais clairement pas développer mes propos, puis la vidéo durerait une heure facilement. Donc voilà, je pense que soit je vous présente 10 super âmes par vidéo, soit je vous propose une lecture rapide de chacune, sans trop entrer dans les détails. Donc voilà, dites-moi ce que vous préférez. Soit je vous fais 3 épisodes sur toutes ces super âmes, ou sinon je vous fais une grosse vidéo dans laquelle voilà, je vous les montre rapidement, sans trop détailler leurs effets. Et du coup, voilà pour les petites choses que j'avais à vous dire par rapport aux nouveautés sur le jeu. De mon côté, je vous prépare le prochain J-Screen, parce que voilà, je ne l'ai pas sorti vendredi. Et il y aura aussi une vidéo build que j'avais envie de vous faire. Parce que voilà, il y a la tenue de Mecha Freezer que j'avais utilisée pour le screen avec Trunks. Et du coup, j'ai mis des petites techniques pour cette tenue et franchement, je me suis pas mal régalé. Donc voilà, j'ai pas mal envie de vous présenter cette petite vidéo build. Du coup, voilà, vous dites-moi ce que vous préférez pour la prochaine vidéo. Dans tous les cas, les deux sortiront. Mais choisissez la prochaine vidéo que vous voulez voir, soit le J-Screen, soit le build sur Mecha Freezer, enfin Cellulite en mode Mecha Freezer. Donc voilà, je vous laisse le choix de la prochaine vidéo. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Voilà, c'est une vidéo complémentaire de la vidéo que je vous ai sortie mardi. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, on va finir ce J-News avec quelques combats en musique. On va partir avec Free Hit, mon démon du froid orienté full super frappe que j'adore jouer. On part contre l'ami Flo pour des combats fun sans prise de tête, comme d'hab en musique. Et moi, je vous dis bon game, à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.